Les pays nordiques se disent parmi les plus heureux du monde. Parallèlement, les thrillers venus du froid rencontrent un succès mondial sans précédent. Gangsters, vampires, zombies, serial killers. Aujourd'hui, les monstres semblent prêts à coloniser des territoires de chasse inédits. Blockbuster et best-seller scandinave dévorent l'utopie social-démocrate et déferlent sur le monde. La peur change de visage. Le crime a franchi l'ultime frontière. Jusque dans les années 70, la Scandinavie n'avait pas de sang sur les mains. Les temps changent. Depuis le succès mondial de la trilogie Millennium du Suédois Stieg Larsson, une vague d'effroi déferle dans les librairies et sur les écrans. Dans son sillage, enquête verglacée, polar polaire, flic dépressif, meurtre sous le soleil de minuit. Les lecteurs et spectateurs du monde entier découvrent de nouveaux horizons, une nouvelle esthétique, de nouvelles frayeurs. Comment expliquer cette vigueur récente de la littérature, des séries télévisées et du cinéma de genre nordique? Quels sont les successeurs d'Henning Mankell et de Stieg Larsson? Comment expliquer la déferlante du thriller scandinave?